une canicule marine, c'est assez terrible. C'est en fait, il fait très chaud comme sur Terre en fait. Il fait anormalement chaud sous l'eau, dans l'eau. Et ça a comme un effet, par exemple, sur la végétation qu'on peut avoir sous l'eau, ça a comme un effet d'un peu un chalumeau, quoi, comme un incendie sous-marin. Y a pas de flammes, mais la chaleur est tellement horrible que ça c'est vraiment terrible pour la biodiversité marine. Donc les plantes, les coraux, c'est un blanchissement des coraux du coup, et aussi pour les poissons. Donc ça c'est assez terrible, et actuellement ce qu'on voit c'est qu'il y a énormément de vagues de chaleur sur la planète, et donc c'est ça aussi qui fait qu'on atteint une température record actuellement de l'océan. Depuis 3 mois on accumule les records, c'est terrible.